Marc Hofmeister, je suis le commissaire général et l'organisateur des Rencontres Africa. Rencontres Africa, c'est né il y a 3 ans. D'une initiative du Quai d'Orsay, et puis ensuite on prend une initiative beaucoup plus privée. C'est né en France et c'est une manifestation qui s'organise entre la France et l'Afrique. L'année dernière, on était en Côte d'Ivoire, on était à Abidjan, reçu par le président et par le vice-président et par l'ensemble des ministres. Cette année, on est à nouveau en France. L'idée, c'est de rapprocher les entreprises françaises et les entreprises africaines pour qu'elles fassent des affaires ensemble et qu'on ne fasse pas, comme je disais il y a quelques instants, de la politique, mais vraiment des affaires. Donc on a 3 secteurs privilégiés qu'on a travaillé particulièrement cette année. On a l'agroalimentaire, qui est une des préoccupations majeures, bien sûr, aussi pour l'Afrique. La santé, les deux étant liés finalement à l'augmentation de la population africaine qui sera encore très importante dans les prochaines années et dans lequel on peut certainement jouer un rôle. Et enfin, les BTP et les infrastructures. Donc tout ça, on fait quoi pour ces secteurs? On fait des rencontres d'affaires B2B. Il y a 3600 entreprises, il y a 3600 rendez-vous d'affaires, pardon, qui ont lieu aujourd'hui et hier, qui ont eu lieu avec des entrepreneurs. On a en gros 2000, un peu plus de 2000 entreprises qui sont venues et qui fait de nous la plus grosse manifestation qui existe économique sur l'Afrique. Et on a 800-900 entreprises africaines et 1200 à peu près entreprises françaises qui sont présentes. Le tout se match, pas que entre entreprises françaises et africaines, mais aussi entre entreprises africaines entre elles. Et l'intérêt, c'est qu'on ne fait pas du nord-sud, on fait aussi du sud-sud. Il y a autant d'affaires qui se font en sud-sud qui se font en nord-sud. Voilà. Et l'idée, c'est de faire une plateforme vivante tous les ans sur lequel il y a du business qui se crée. Donc l'idée, tout simplement, aujourd'hui, est de favoriser ces rencontres. Ensuite, mon objectif, c'est que ces entreprises continuent à se voir, qu'il y ait du business qui se crée. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais le faire, le business. C'est pas moi. C'est l'entreprise de fabrication d'œufs au Bénin, c'est l'entreprise de transport en Côte d'Ivoire qui rencontre des partenaires et qui va faire un certain nombre de choses. Moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Ensuite, à eux de faire du business. Je suis Madame Rivali Karidja de l'entreprise Tati Prestige. Je représente la Côte d'Ivoire pour Rencontre Africa 2018 Palais des Congrès. Je suis vraiment ravie d'être là. J'ai été l'année passée à Abidjan au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire. Et cette année, j'ai été conviée aussi comme participante aux rencontres. Et ça me fait plaisir parce que l'année passée, déjà, j'ai fait une belle rencontre. Et cette année, j'ai été ravie d'être là. Et tout se passe bien. On fait des rencontres vraiment pas mal. Et on trouve des partenaires gagnants-gagnants. Et ça y va pour le bien de la Côte d'Ivoire, notre pays qui émerge à l'horizon 2020. Donc on est ravis d'être là. Et puis la rencontre Africa 2018, en tout cas, bon vent. Et que Dieu fasse que chaque année, on puisse faire des rencontres. Ça y va pour le bien-être de tous les Africains, de toute l'Afrique, puis tout le monde en fait. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Le rendez-vous que j'ai acquis au niveau d'Abidjan avant de rentrer, j'ai pu honorer tous les rendez-vous par la grâce de Dieu et tout s'est bien déroulé. Et on a échangé les contacts, les mails, les numéros. Et on espère et on croise les doigts qu'une fois rentré à Abidjan, tout va se passer dans de meilleures Je m'appelle Olivier Géin, je suis cofondateur du groupe Engageo. Depuis 2 ans, nous sommes aussi basés en Côte d'Ivoire avec la société Engageo Africa. Notre métier et notre vocation, c'est la transformation numérique en Afrique. Et pour ce faire, nous avons des équipes dédiées sur place avec une société de droit ivoirien et déjà quelques beaux clients. Notre 3e année consécutive que nous sommes sur le salon des Rencontres Africa, on a eu l'occasion de voir de nouveau beaucoup d'acteurs économiques africains. Et c'est de très bon augure pour l'avenir. Je pense que la transition numérique est en marche pour l'Afrique et Engageo Africa va y contribuer fortement. Alors en fait, les entreprises du continent africain ont besoin de nouveaux systèmes informatiques qui gèrent leurs processus internes, mais également tous les processus externes, c'est-à-dire qui permet l'acquisition de nouveaux clients ou qui permet de dialoguer en temps réel avec ses clients sans pour autant avoir des infrastructures informatiques
conséquente. Donc c'est des applications qui permettent d'atteindre le marché, de décloisonnement du continent africain et qui permet beaucoup de productivité, beaucoup de gains financiers pour les entreprises ou les institutions publiques africaines. Bienvenue à Diaspora Assure. Diaspora Assure, c'est une société d'assurance panafricaine qui est présente dans tous les pays africains francophones pour le moment. Nous avons pour ambition de couvrir toute la diaspora européenne pour leurs familles qui sont restées dans le pays d'origine. Nous sommes venus rencontrer Africa pour dire à la diaspora qu'il est possible qu'on soit de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin ou du Sénégal, de souscrire étant en France pour sa famille qui est restée dans son pays. Donc nous espérons que les rencontres Africa pourra donner des partenariats gagnant-gagnant B2B et nous faire connaître à l'international, surtout en Afrique qu'on veut exercer. Nous sommes sur le stand de Ecotecna Inspection. Ecotecna Inspection, nous sommes une compagnie de certification, d'inspection et de contrôle qualité, notamment pour parler un peu du programme de VOC Côte d'Ivoire. VOC Côte d'Ivoire, c'est une réglementation mise en place par l'État de Côte d'Ivoire qui s'assure que toute marchandise qui rentre en Côte d'Ivoire est bien conforme à une réglementation technique nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si vous importez en Côte d'Ivoire, vous devez vous assurer que, un, vos produits correspondent à des normes. Ils sont standards, soit aux standards nationaux, standards sous-régionaux ou internationaux. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de disposition en Côte d'Ivoire qui interdise l'importation de votre produit. Et au sorti de là, Cotecna vous émettra un certificat de conformité. Lequel certificat de conformité est exigible en douane. Le programme a commencé dans une phase pilote depuis le 16 juillet. Donc depuis le 16 juillet jusqu'au 16 octobre, nous sommes en phase pilote. Et l'État avisera de la suite. Donc un peu voici présenter le programme de VOC et Cotecna accompagne aujourd'hui sur ce forum-là des importateurs ou des futurs exportateurs vers la Côte d'Ivoire pour leur parler du programme de conformité et éduquer, sensibiliser. Je suis Sandra Yaté, directrice générale de Smart Services. Je suis partenaire de ANA, qui est l'Africa News Agency, qui traite les sujets économiques panafricains. C'est la première et la seule. Alors nous sommes ici au salon dans le but, déjà partenaire du salon Les Rencontres Africa 2018, et aussi nous sommes là pour des partenariats futurs, étant donné que nous accompagnons les structures et les institutions dans la communication, dans l'événementiel, dans la relation donc, avec la presse internationale. Donc nous sommes ici dans le but de créer et tisser des liens importants et concrets, surtout. Mettre en avant ce que l'Afrique a de meilleur. C'est vrai que l'Afrique a des problèmes, mais on a aussi des solutions. Voilà. ANA fait du contenu pour des médias panafricains. ANA aussi a un site internet avec des milliers d'abonnés. ANA accompagne dans le développement en communication et en images de personnalités et de structures particulières, voilà, individuelles. Hervé Chassériot, je suis le président du groupement de gestion et d'assurance, qui est un cabinet de courtage d'assurance spécialisé en gestion d'assurance santé internationale. On gère pour le compte des compagnies d'assurance, on propose des produits qui sont des produits haut de gamme pour les expatriés en Afrique et pour les locaux. Le cabinet a une quarantaine d'années d'expérience. Les produits que nous avons montés, c'était des produits à l'origine qu'on proposait aux expatriés. Et puis on s'est dit que c'était ces produits-là qu'il fallait proposer aussi aux locaux, que ce soit un Ivoirien, un Sénégalais ou toute autre personne. Donc c'est exactement les mêmes produits qu'on propose aux expatriés, avec des plafonds de garantie très importants par personne et par an, puisqu'on va jusqu'à 49 millions de francs CFA. On délivre des prises en charge à l'hôpital, le malade n'a rien à payer. Dans les pays où nous sommes présents, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC, nous avons un système de tiers payant, exactement comme une carte vitale en France, avec notre carte. Vous allez voir le pharmacien et le pharmacien vous donnera les médicaments et nous payerons directement le pharmacien.
Et ce produit s'adresse à des particuliers et à des entreprises. En entreprise, on peut faire du sur-mesure. Voilà. La diaspora occupe une place très importante dans l'économie du pays, mais également dans la santé. Si on voit, par exemple, on en parlait hier, par exemple, pour la couverture de maladies universelles, là, un important volet a été mis en place, qu'on appelle le SIGIL-CEMU. SIGIL-CEMU, c'est une plateforme de technologie donc, appliquée à la santé qui permet à la diaspora de pouvoir intervenir dans la prise en charge de leurs parents restés au pays, de pouvoir accompagner également les Sénégalais donc, dans le cadre de ces politiques importantes mises en place par le chef de l'État. Donc, je m'appelle Philippe Billan, je suis directeur commercial Europe-Afrique. Chez Bolloré, voilà. On est à ce forum pour rencontrer les exportateurs européens, voire africains, donc qui se déplacent sur Paris pour rencontrer un certain nombre d'entreprises et qui sont intéressées par le groupe Bolloré pour transporter leurs marchandises à destination de l'Afrique. Alors on propose toute une gamme de services, services logistiques, de transport, donc depuis toute l'Europe, voire le monde entier, sur l'Afrique en général. Tant en aérien qu'en maritime et en express également. On a rencontré beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par nos services et voilà, qui cherchent à avoir quelques renseignements, informations sur les contacts, sur notre société, sur ce qu'on fait, où on est installé, etc. Je suis Myriam Marafa, je suis la responsable de l'agence de voyage Millennium Travel au Niger. Et j'assiste pour, je pense, la troisième ou quatrième fois aux rencontres Africa. C'est des belles opportunités, surtout pour moi, parce que avec cette ambition que j'ai de diversifier mes activités. Donc, je suis dans la délégation du Niger. Je suis venue avec une quinzaine d'autres compatriotes. Et le salon qui a commencé depuis hier et il se poursuit aujourd'hui, il prendra fin à 19h. Donc, c'est une belle opportunité pour moi particulièrement parce que je suis dans le domaine du voyage. Je pourrais vendre mon pays, le Niger, à travers cette rencontre. Donc, c'est tout à fait à mon avantage. Je suis donc Gérard, chargé de promotion Europe-Afrique pour les salons Préventica, des salons qui existent depuis 25 ans en France et depuis 6 années, donc sur une couverture Maghreb, Afrique francophone. La thématique de ces salons, c'est la maîtrise globale des risques, donc qui couvre multisectoriel dans le domaine de la santé, de la sûreté, malveillance et aujourd'hui également partie cybercriminalité. Donc nous participons à plusieurs événements, donc 6 années à Casablanca, 3 années déjà sur Dakar et des projets donc de venir en Côte d'Ivoire pour 2020. Voilà, donc la formule, c'est à peu près une 60aine de conférences en 3 jours, une partie congrès, donc dispensée par des grands experts internationaux, et puis une partie B2B avec 180 exposants et un visiteurat sur l'Afrique, donc Dakar comme au Maroc, de l'ordre de 4000 visiteurs sur 3 jours. Alors nous mettons en relation, c'est une plateforme d'échange, et nous mettons en relation donc des grands donneurs d'ordre, également des distributeurs, des installateurs, des fabricants de grandes marques, alors aussi bien dans le domaine, comme je disais tout à l'heure, de la sûreté, de la malveillance, donc des caméras, des systèmes de domotique, des systèmes d'anti-intrusion, des systèmes d'alerte, et dans le domaine de la santé, à la fois la formation et tout ce qui couvre les équipements de protection individuelle, les masques respiratoires, protection de chute en hauteur, etc. etc. Charlotte Liebog, donc promotrice de la plateforme Afrique Renée du Monde, dédiée donc à la vulgarisation de l'entrepreneuriat agricole en Afrique subsaharienne. Donc c'est pour nous une excellente occasion de promouvoir le secteur agricole et agroalimentaire avec notre participation à cette 3e édition des Rencontres Africa. Et nous tenons vivement à remercier donc les organisateurs pour cette excellente rencontre qui nous a permis de notamment donc promouvoir
voir les diverses solutions agro-digitales que nous avons élaborées, que nous élaborons donc en interne, donc AGM Market, donc cette solution dédiée à la commercialisation des produits issus du terroir. Et à partir du mois de février 2019, AGM Finance qui sera dédiée donc au crowdfunding, donc à destination des petits producteurs africains. Voilà, donc concrètement aujourd'hui, nous pouvons réellement affirmer que le numérique nous permet de faire un bond, de faire un saut réellement exponentiel en ce qui concerne donc une relance réelle et efficace de notre agriculture en Afrique. Grâce au numérique, grâce aux solutions agro-digitales que nous offre le numérique, nous pouvons donc améliorer donc nos conditions de production, aussi bien en ce qui concerne la paysannerie que les agro-industriels. Nous pouvons commercialiser à travers des plateformes de e-commerce. Nous pouvons donc œuvrer en faveur d'une meilleure formation avec des plateformes dédiées justement au e-learning. Et nous pouvons enfin informer et sensibiliser donc sur les énormes opportunités qu'offre le secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne en termes de création de richesses. Rappelons que c'est quand même une Afrique qui, malgré donc son fort potentiel en la matière avec ses terres, plus de 60% des terres arables mondiales, avec son potentiel hydraulique, avec son potentiel humain, reste le seul continent aujourd'hui encore importateur net de denrées alimentaires. Donc il nous faut changer la donne et il y va de l'intérêt et de l'engagement de tous. C'est une satisfaction totale dans la mesure où on a effectivement donc des partenariats donc, en termes de business qui sont tissés. On a une belle brochette d'entreprises donc, venant du continent vu que nous sommes basés donc à Paris avec une présence continentale donc bien entendu qui est permanente. On peut parler d'un réel succès de cette édition des Rencontres Africa dans la mesure où on a pu tisser ces synergies collaboratives qui nous permettront donc d'aller vers du véritable business, vers du concret dans les mois à venir, bien entendu.